ce matin sur la cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps variable ponctué d'averses. Il fait frais, la température extérieure est à 11 degrés, la température de l'eau est à 15 degrés, la marée est en train de descendre. Le plein bas, 10h55, coefficient 79 sur ce descendant, le vent est onshore avec un secteur nord-ouest, de Beaufort établi, petite rafale à 3. Le plan d'eau est ridé, clapot, les phases de vagues sont ridées. Et on a une houle qui est à le long avec 10 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest, multipliquée et agitée, en atténuation, plus petite que prévu, nette baisse ce matin, déferlement régulier à 1 mètre, 1 mètre 20, et sur les séries, à 1 m30 à 1 m50. Bon, c'est agité, de qualité très très moyenne, des pics un petit peu partout sur le plan d'eau, des pics courts, mous, qui sectionnent, zone de déferlement aléatoire, mais ça pourrait être pire que ça, le vent n'est pas hyper violent. Il y a quelques bouts attrapés pour des surfeurs qui sont motivés, des surfeurs motivés qui ne sont pas présents ce matin puisqu'il n'y a personne à l'eau. Évolution pour le reste de la journée, la houle va s'amortir, le vent va se renforcer, donc ça va se dégrader. La bouée arcachon est sur une tendance à la baisse à 2 mètres et 6 secondes. À 13h encore 1 m20, 1 m50, houle ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, le vent de nord-ouest prend dans les 3 à 4 Beaufort. Et à 17h, plus que 1 m30, houle ouest-nord-ouest, 10 secondes de période avec un vent de nord-ouest 4 Beaufort. Des conditions dégradées hein, pour cet après-midi, même avec la marée haute. Il y a un créneau ce matin pour les très motivés, quelques vagues au large, pardon, quelques vagues au bord. Voilà pour le report de ce matin. Exceptionnellement, pas de report pour le reste de la journée. On va se retrouver demain matin à 6h30 pour un prochain point. Merci.